Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale comme vous pouvez le constater d'après l'angle de cette vidéo. Je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire intégrale pour l'année 2022 et je vais aussi en profiter pour réorganiser mon étagère pile à lire. Comme vous le savez ou pas si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Je n'ai pas les livres que j'ai lus avec moi dans l'appartement, ils sont tous en carton au garage parce que je n'ai pas la place de les stocker. Donc j'ai mon étagère ici qui est ma pile à lire, l'étagère blanche dans laquelle il y a un petit peu de tout. Ici je mets mes livres lus une fois qu'ils sont lus, là c'est du stock de marque-page, prints, etc. Là c'est ma pile à lire en cours. Ici il y a une étagère qui normalement est vide, mais actuellement c'est les livres que je mets en vente sur ma boutique Rakuten, il faut que je les descende au garage d'ailleurs. Les deux étagères du bas, c'est du bazar. Et l'étagère de droite, ce sont mes DVD. Voilà, donc je n'ai que cette étagère pour mettre mes livres et elle contient l'intégralité de ma pile à lire physique. Avant de vous présenter ma pile intégrale pour 2022, il va falloir que je débarrasse tout ça. Et on va commencer par mettre les goodies de côté, puis sortir les livres. Étape numéro 1, sortir tous les goodies. Donc vous pouvez voir l'étendue du désastre. Voilà. Allez. C'est parti. Et voilà, j'ai enlevé tous les goodies. Du coup, je vais maintenant enlever les livres. Et alors, je sais pas encore exactement comment je vais les ranger. Donc au moment où je vais les enlever, pour l'instant ils sont plus ou moins rangés par éditeur. Pas vraiment non plus extrêmement bien rangés. Je vais voir, je vais y réfléchir pendant que je les sors. C'est une étape au cours de laquelle vous risquez de bouger parce que vous êtes sur la table basse et que je vais mettre les livres également sur la table basse. Alors la seule étagère à laquelle j'ai pas touché, c'est celle sur laquelle il y a mes classiques parce qu'en fait ils sont déjà classés par ordre alphabétique et c'est uniquement les éditions RBA. Donc je vais les reclasser exactement tels quels. Je vais juste regarder s'ils rentrent là-haut. De toute façon je vais les coucher je pense. Alors ils rentrent pas, même si je les couche. Parce que c'est pas les bouquins que je sors le plus souvent, donc à la limite ils peuvent aller en haut. Donc on va commencer par ceux-là. C'est parti. Alors, pour vous montrer l'intégralité de ma pile à lire, donc vous allez tous les voir, tous mes livres papier, tous les livres papier que j'ai dans ma pile à lire, excepté les quatre qui sont encore dans le colis que j'ai pas encore ouvert parce que j'ai reçu hier, donc ils ne font pas partie de ma pile intégrale 2022 puisqu'ils sont arrivés en 2022. Les livres qui font partie de ma pile à lire intégrale 2022 sont des livres que j'ai reçus en 2021 ou que j'avais avant. Voilà, et il y a aussi Kingdom of the Cursed qui est le tome 2 de Kingdom of the Wicked que j'ai reçu tout début janvier, donc il est là-bas, mais je vais pas vous le remontrer, il fait pas partie de cette pile à lire intégrale qui, normalement, si mes calculs sont exacts et si mon livre addict est à jour, s'élève à 239 titres. Je vous rappelle que un de mes objectifs pour 2022, c'est de faire baisser cette pile à lire à 150. On va voir si j'y arrive. Je vais aller chercher mon téléphone pour avoir ma liste livres addicts sous les yeux pour les classer dans l'ordre alphabétique des auteurs. Et puis, je vais les classer quand même par... je pense que je vais garder ce classement par maison d'édition parce que ça me plaît bien. Et puis, principalement aussi parce qu'il y a certaines maisons d'édition que je veux garder groupées, les deux Saxus par exemple, pour ne citer que. Et les France Loisirs aussi. J'aime bien avoir mes livres France Loisirs. À part, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Donc je vais chercher mon téléphone et puis on pourra commencer la liste interminable de ma pile à lire intégrale pour 2022. Alors déjà là, il y a un petit souci. Dans Livre Addict, il me met que j'ai 231 livres physiques dans ma pile à lire. Alors il faut que je
recompte parce qu'il y a ma PAL du mois de janvier qui est ici, donc ça fait 231, 232, 33, 34, 35, 36, 37. Donc il en manquerait 2. Bah écoutez, on verra. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais exporter ma liste au format Excel, comme ça je peux supprimer les livres au fur et à mesure et s'il en reste, je saurai que c'est pas normal. Quoi qu'il en soit, on est parti avec l'intégralité de ma pile à lire et le rangement de cette bibliothèque au fur et à mesure. Alors j'ai été un peu bête parce que du coup j'ai mis mes livres en VO sur mon marchepied. Je vais en avoir besoin pour ranger les livres là-haut. C'est ballot. Quoique, ah si quand même. Bon, je les descends et je vous retrouve tout de suite. Les quatre filles du Dr March de Louisa May Alcott. Le Dr March Marie ses filles de Louisa May Alcott. L'abbaye de Northanger. Amour et amitié, Emma. Lady Susan, Les Watson et Sanditon. Mansfield Park. Persuasion, raison et sentiment. Et Orgueil et préjugé de Jane Austen, mon roman préféré de tous les temps qui fait partie de ma pile à lire du mois de janvier. D'ailleurs, avant d'oublier de vous les montrer, je vais vous montrer tout de suite ma pile à lire du mois de janvier. Donc, ils font aussi partie de ma pile intégrale 2022. Le vrai sexe de la vraie vie, tome 1 et 2 de Si. La petite fadette de George Sand. La magie de Paris, le tome 2, Le calme et la tempête d'Olivier Gay. Et Shaman Born, le tome 1, Forest of Souls de Laurie M. Lee. Je retourne du coup sur les romans éternels et on a Les secrets de Lady Audley de Mary Elizabeth Braddon. La locataire de Wildfell Hall de Anne Brontë. Jane Eyre, le professeur, Shirley tome 1 et Shirley tome 2. Et Villette de Charlotte Brontë. Et pour finir avec les sœurs Brontë, Léo de Hurlevent d'Emily Brontë. Evelina de Frances Burney. Les liaisons dangereuses de Pierre Coderlo de Laclos. L'éveil de Kate Chopin. Lady Roxana et Moll Flanders de Daniel Defoe. La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils. Middlemarch tome 1 et 2. Le Moulin sur la Flosse et Silas Manor de George Eliot. Madame Bovary de Gustave Flaubert. J'ai remonté un petit peu la caméra parce que j'étais pas vraiment dans le cadre. Effie Brist de Théodore Fontaine. Les Amoureux de Sylvia. Cranford et Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell. À la lumière des étoiles. Loin de la foule déchaînée. Noble Dame, Nobles Amours. Sous la verte feuillée et Les yeux bleus de Thomas Hardy. La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, Les Ambassadeurs, Les Bostoniennes, La Coupe d'Or tome 1 et 2, Portrait de femme tome 1 et 2 de Henry James, Le Château de mes rêves de Lissimo de Montgomery, Indiana, Nanon et Valentine de George Sand, La Foire aux Vanités tome 1 et tome 2 de William M. Tecre, Anna Karenine tome 1 et 2 de Léon Tolstoy, Œil pour œil d'Anthony Trollope, Chez les Heureux du Monde, Les New-Yorkaises, La Récompense d'une mère, La Splendeur des Lansing et Le Temps de l'Innocence d'Edith Wharton. Je range tout ça là-haut et je vous retrouve juste après. Que finalement ça rentrait pas là-haut, donc ce sera sur l'étagère du milieu. Voilà. C'est pas l'idéal. L'idéal ce serait que je les lise pour qu'ils prennent bien moins de place et qu'ils se retrouvent plutôt dans les cartons. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Du coup, je vais passer maintenant au roman des éditions de Saxus parce que je les aime beaucoup et je vais les mettre ici, comme ça ils seront visibles. Parce que au départ, je voulais les mettre en haut, mais on les verra pas forcément bien. Ils seront plutôt vers le fond, ou alors je me fais une étagère ici, je les remets sur la même étagère. Non, je vais les mettre là pour l'instant et on verra si après je dois faire de la place autrement. Donc c'est parti pour De Saxus. Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Le chant des sans-repos de Rosine Hay Brown. Dave Abad tome 1, La cité de laiton, et tome 2, Le royaume de cuivre de S.A. Chakraborty. Les saisons de la tempête de El Cosimano. Le trône des sept îles d'Adeline Grace. Il y en a un que je n'ai pas en version physique parce que je l'ai prêté, mais c'est Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson. La méthode Light Tea de Leah Johnson. Maison de la terre et du sang, le tome 1 de Crescent City de Sarah Jimas. Saison d'os, L'ordre des mimes et Le chant se lève. Les tomes 1, 2 et 3 de The Bone Season de Samantha Shannon. L'ascension de Camelot, tome 1, La duperie de Guenièvre. Et tome 2, La trahison de Camelot de Kirsten White. Et il me reste encore de la place sur cette étagère. C'est très bien parce qu'en janvier, il y a d'autres titres de Saxus qui vont paraître. Mais pour l'instant, je vais passer aux éditions Rivka, que je pense
je vais mettre là où il y a un petit trou. La prophétesse, le tome 1 du Lys de Feu de Jacqueline Benson. Gods of Men, le tome 2 de Barbara Kloss. Et le tome 1 de Trône de Cendre de Jessica Pierce. Et ça rentre pile poil. Je vais maintenant passer aux éditions France Loisirs que je vais mettre, je pense, là-haut. Et je vais... Ou alors en bas. Je vais plutôt les mettre là. Je vais mettre mes éditions France Loisirs ici et on va commencer par les intégrales. Trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden. Nos chemins de travers, Nova Galam et Les larmes rouges de Georgia Caldera. Les faucons de Ravera de Melissa Caruso. Lune pourpre de Laetitia Danae. Rebelle du désert de Alwyn Hamilton. Et Grim Lovelies de Megan Shepherd. Du coup, à côté, je vais commencer à mettre mes grands formats France Loisirs. Alors, je vous ai dit grand format, mais en fait, j'ai du grand format, du poche et du semi-poche. Donc, je vais mettre les semi-poches avec les grands formats et les poches viendront devant, je pense, parce que sinon, j'aurai pas la place. Le premier, c'est Revenir pour mourir de Jennifer L. Armentrout. La librairie des rêves suspendus d'Emily Blaine. Morningstar, le tome 3 de la série Red Rising de Pierce Brown. Les secrets de Toutankhamon d'Emma Carroll. Le cercle des sept pierres et Le prisonnier écossais de Diana Gabaldon. Le tome 1 de Rule d'Hélène Goodlett. Et le tome 1 de Section 13, Jack et le bureau secret de James R. Hannibal. L'expédition fantastique et La légende de l'oiseau de feu, les tomes 1 et 2 de la série Aurora de Vashti Hardy. Un palais de glace et de lumière de Sarah Jemas, c'est le tome 3.5 de la série Un palais d'épines et de roses. Le tome 1 de Killing November d'Adriana Matter. La fileuse d'argent de Naomi Novik. Le clan des loups, le clan des tigres, le clan des serpents et le clan des aigles. Les tomes 1, 2, 3 et 4 de la série La légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Pour Dead Queens d'Astrid Schulte. Tafel, Violette Dupin et le jour perdu de Dominique Valente. Et Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Je range tout ça un peu mieux et je vous retrouve tout de suite. On va maintenant passer aux poches de chez France Loisirs, mais à mon avis, un de mes objectifs pour ma pile à lire du mois de février, ce sera d'intégrer des romans France Loisirs, parce que là, vous pouvez constater que le rangement, c'est pas génial. Et donc, pour les formats poches, on a Rendez-vous avec le poison, Rendez-vous avec le danger et Rendez-vous avec la ruse, les tomes 4, 5 et 6 des Détectives du Yorkshire de Julia Chapman, Et tu entendras le bruit de l'eau et Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomin, La reine noire et La passeuse d'ombre, les tomes 2 et 3 de L'automne des magiciens d'Hélène P. Merrell, Anthony, Bénédicte, Colin, Héloïse, Francesca, Hyacinthe, Grégory et des années plus tard, les tomes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn. J'ai oublié dans les poches France Loisirs Amber Rath, le tome 7 de la série Rebecca Quinn de Cassandra O'Donnell. Je vais passer à Big Bang, Bragelonne, Castlemore, je vais les mettre tous ensemble parce que c'est le même groupe plus ou moins. J'ai aussi des poches Milady ou poches Bragelonne, mais je vous les montrerai plutôt dans les poches, comme ça je pense que je vais faire une étagère, pas une étagère complète, mais je vais mettre les poches à part, peu importe. Peu importe la maison d'édition, je pense que ce sera plus simple. Donc chez Big Bang, j'ai le tome 1 de L'Empire d'écume, La fille aux éclats d'os de Andrea Stewart et Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Chez Castlemore, en grand format pour l'instant, il ne me reste que le tome 3, Ici et ailleurs, de La magie de Paris d'Olivier Gay. Le tome 2, je vous rappelle qu'il est dans ma pile à lire du mois de janvier. Et chez Bragelonne, j'ai Wicked, le tome 1 de La véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest de Gregory Maguire, L'intégrale des lames du cardinal de Pierre Pével et L'intégrale de la série Belladone de Michelle Rowan. Du coup, je vais passer au format poche que je vais mettre tout en haut, je pense. À mon avis, je vais les empiler. Je vais faire deux piles et demi peut-être. Ce sera plus simple. Je vais voir, est-ce que je les classe aussi par éditeur ou est-ce que je les classe juste par auteur? À voir. Je vais vous filmer deux fois pour la deuxième fois de suite. La partie où je vous montre mes livres de poche parce que je voulais filmer en ayant oublié que j'avais mis en pause la vidéo. Pour le temps de trier par maison d'édition. Donc c'est pas grave, c'est pour ça que vous avez les piles qui sont déjà faites, j'aurais juste à les déplacer après. On est parti donc pour mes formats poche avec aux éditions 10-18 le tome 1 de Joseph La Flamme, la légende de Jack d'Hervé Gagnon et aux éditions ActuSF dans la collection Helios entre Troll et Ogre de Marie-Catherine Daniel et Apostasie de Vincent Assis. Aux éditions Albin Michel, j'ai le tome 1 et le tome 3 ou 4, je ne sais plus trop, d'Agatha Raisin Enquête de MC Beaton, La Quiche Fatale et Pas de peau pour la jardinière. Chez Archipoche, j'ai le tome 1 de la série Paul Dark de Winston Graham qui
s'appelle Les Falaises de Cornouailles. Chez Brajlon, dans leur collection Steampunk, j'ai L'Homme électrique de Victor Fleury et dans la collection Fantasy, le tome 1 de La main de l'Empereur d'Olivier Gay. Chez Castelmore, les tomes 2 et 3 de Tri d'Amanda Hawking, Indécise et Royale. Chez Charleston, Noël et Préjugés, qui est un recueil de nouvelles de la team Romcom. Chez Gallimard, dans la collection Folio Junior, L'île aux mensonges de Frances Hardinge. Et chez, toujours Gallimard, mais dans la collection Pôle Fiction, le tome 1 des Mystères de la SPM, Le sang n'oublie jamais, de Lucie Pierre Pajot. Chez J'ai lu en semi-poche, j'ai le tome 1 de Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomin. Et toujours chez J'ai lu, La libraire de la place aux herbes de Éric de Kermel et Les aventures improbables de Julie Dumont de Cassandra O'Donnell. Aux éditions Livre de poche, le tome 1 des Ferrailleurs, Le château d'Edouard Carré. Je crois que c'est le tome 12, La mort dans les nuages, de la série Hercule Poirot d'Agatha Christie. Et Les mots entre mes mains de Guinevere Glassford. Chez Michel Lafon, Jeunesse, le Noël aux ors, le tome 1 de Tom Fletcher. Chez Milady, Lettre écarlate, le tome 1 de Meg Corbin, Dan Bishop. Et L'appel de renard, le tome 1 Traqué de Charlie Reinhardt. Et enfin, chez Pocket, Circé de Madeleine Miller. Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Ponte. Et dans la collection Jeunesse, Elia la passeuse d'âme, le tome 1 de Marie Vareille. Alors, j'ai quelques titres auto-édités que je vais mettre à côté du groupe Brajlon, Milady, Big Bang, tout ça. Le monde d'à côté d'Emily B. L'âge de sang, la première partie de Dalgotem de R.J. Evans. Le tome 1 des Murmures du char de Hayden Fox. Et Chronique macabre de Sully Holt. Alors, je vais passer au grand format chez toutes les autres maisons d'édition. Et je vais essayer de les mettre une partie là-haut et une partie là. Parce que je dois absolument garder l'étagère du bas pour les très grands formats du style bande dessinée. Et j'ai pas encore rangé non plus mes livres en VO et il y en a énormément, donc je ne sais pas comment je vais faire. Ça va être drôle. Je pense que je vais devoir empiler aussi, donc à mon avis je vais faire des piles là, je pense. On va voir. On est parti avec aux éditions ActuSF. La machine de Léandre d'Alex Evans. Chez l'agence Célène Babel de ABK. Aux éditions Dreamland Mask de Carole Cerruti. Aux éditions du Chat Noir, le club des érudits hallucinés de Marie-Luce Bougon. Et le tome 1 des Chuchoteurs, le prince des oubliés de Estelle Wagner. Chez Fleurus Pages & Co, donc Page et compagnie de Anna James. Chez Gallimard, le tome 1 de Magic Charlie, l'apprenti d'Audrey Alouette. Chez Hachette, Les rumeurs d'Issard, le tome 1, le talisman perdu de Marie Caillé. Chez Hervé Chopin, le tome 1 des chroniques de Sainte Mary, un monde après l'autre de Jodie Taylor. Chez L'Homme sans nom, le premier tome de La 25e heure de Feldric Riva. Aux éditions du Héron d'argent, La ville des mystères, le tome 1 de Merveilles du monde hurlant de Julien Hirt. Chez Lynx, le tome 1 du Passageur, Le coq et l'enfant d'Andoris. Chez Milan, Une glace sous la mort de Gareth B. Jones. Chez Mnemos, le tome 1 de la série Les mondes miroirs de Vincent Mondion. Mon duo, pardon, et Raphaël Lafarge. J'ai oublié les éditions du Matago avec Louis Le Gallou, le tome 3, Le maître des tours de Merle de Jean-Luc Marcastel. Chez Nathan Frostheart, le tome 1, Le chant des monstres de Jamie Littler. Aux éditions Plume Blanche, Que la mort soit douce, le tome 1 de Laetitia Danae. Chez Pocket Jeunesse, le tome 1, Des aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee. Aux éditions Prélude, N'habite plus à l'adresse indiquée de Nicolas Delesalle. Chez Pygmalion, Chaussures à son pied de Marianne Lévy dans la collection Il était une fois. Chez Rebelle, Bellezza, le tome 1 de La dernière nymphe de Marjorie Burbeau. Chez Robert Laffont dans la collection R Cogito de Victor Dixon. Chez Scrineo, Poussière fantôme d'Emmanuel Chastelière. Chez Sharon Kenna, La citadelle des monstres, le tome 1, Le pacte des quatre de Laura Black. Chez Stock, Le monde antique de Harry Potter, une encyclopédie illustrée par Valentine Le Callet de Blandine Le Callet. Et chez XO, Les cœurs aimants de Anne Clichotta et Sandrine Wolf. J'essaie de ranger tout ça et je vous retrouve juste après. Ensuite, je vais ajouter à cette étagère-là mes 4 romans des éditions Tiber parce que... ça rentre. Donc c'est parti. Raison et sentiments de Jane Austen, Jane Eyre de Charlotte Brontë, Léo de Hurlevent d'Emily Brontë et le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. C'est mieux. Vous voyez ce qui se passe au moins. Alors je vais laisser ça de côté. J'en aurai besoin probablement pour m'asseoir, ce sera plus confortable. Je vais rajouter ici juste à côté une petite pile de mangas. Ce sont les seuls que j'ai. Je crois que c'est la seule série que j'ai gardée. Il me manque quelques tomes pour être à jour. Oh, avec mon grand âge, j'ai besoin de m'asseoir. Alors, oups. Les tomes 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 et 23 de LDK de Ayu Watanabe. Et voilà. maintenant,
ça va devenir un petit peu plus compliqué. Alors, j'ai des petits formats, mais sinon ça, je pense que ça devrait rentrer comme ça. Je suis pas sûre. Alors, je vais vous montrer mes éditions, mes encyclopédies aux éditions du Héron d'Argent, et je vais pas forcément beaucoup vous rapprocher parce qu'après je serai plus dans le cadre. Donc, alors par contre là, ils sont pas classés par auteur, ils sont classés par titre parce qu'il y a plusieurs auteurs à chaque fois. Bah écoutez, tant pis, on va continuer comme ça. Je vais les laisser classer par titre, ce sera plus simple pour moi, je pense. Donc, conte japonais illustré par Shitake, l'encyclopédie des anges et des démons, l'encyclopédie des animaux fantastiques, l'encyclopédie des dragons légendaires, l'encyclopédie du petit peuple elfe, nain, fée et lutin, et les secrets des dieux égyptiens. Et normalement, ça devrait rentrer là. Ah voilà, parfait. Bon, ça m'embête un peu que... qu'ils soient couchés, mais l'autre solution c'est de les mettre en dessous et je crains que ça ne passe pas avec le reste. Donc, je vais quand même les mettre en dessous pour l'instant. Hop là. Je vais les mettre comme ça et puis en fonction de la place qui me restera à la fin, on verra comment je m'organise. Sinon, je n'ai pas terminé bien entendu, je vous rappelle qu'il y en a 239. Hein. On va passer au... très grand format, enfin très grand format. Je me comprends, je vais commencer par vous montrer deux comics, deux romans graphiques. Le premier, c'est Lightfall de Tim Probert, La Dernière Flamme aux éditions Gallimard Bande Dessinée, et Cotton Tales, le tome 1 de Lopoutine aux éditions Shockdown. Ces deux-là, éventuellement, ils passent ici. Celui-ci, j'ai un petit doute, mais je peux essayer. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. À toute fin de l'année 2021, c'est Les Contes du Miroir, illustrés par Mina M aux éditions Magic Mirror. Oui, il passe, parfait, très bien, c'était étudié pour. Et alors maintenant, je suis censée caser tout ça, plus tout ça, là en dessous. Ça va être compliqué. Alors déjà, je vais me mettre par terre parce que... là, je suis trop haute maintenant. Cet angle est très bizarre, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Alors, je vais mettre ça par ici. Et à côté de ça, je vais mettre Rise, The Art of Shani. Le tome 1 du cycle de Ténébrae, Phobos, de Gabriel Chocan. Qui en fait n'est pas un graphique, hein, c'est un roman. Mais ce sera le seul endroit où il aura sa place. Donc, enfin, c'est le seul endroit où il pourra rentrer. Donc il va rester là quand même. Et mes bandes dessinées au format classique qui viennent toutes de chez France Loisirs. Donc on a les tomes, je crois, 3, 4, 5 et 6 d'Aliénor la légende noire, de Arnaud Delalande et Simona Mogavino. Et j'ai aussi le tome 3 de Sorceline au cœur de mes origines de Sylvia Douillet et Paola Antista, à la recherche des origines, donc la boîte à musique, le tome 3 de G et Carbone. Et donc il ne me reste que mes livres en VO. Ça va être quelque chose. Alors, je sais pas comment je vais faire. Alors, étant donné que mes livres en VO sont tous issus de la Fairy Loot, je ne vais pas les classer par éditeur. Enfin, il y en a quelques-uns, c'est pas la Fairy Loot. Mais je vais pas les classer par éditeur, je vais juste les classer par auteur. Et on va commencer par les tomes 4, 5, 6, je crois, de la série Villains de Serena Valentino, Mistress of Holyville, Mother Knows Best et The Odd Sisters Fable, le tome 1 d'Adrienne Young. Ensuite, dans l'ordre alphabétique, on a le tome 1 de Star Daughter de Shveda Takrar, Jade Fire Gold de June C.L. Tan, Fire with Fire de Destiny Soraya, Witches Tipped in Gold de Shannon Smart, These All of Us de Lexi Ryan, c'est un tome 1, The Prison Healer et The Gilded Cage de
Lynette Noni, Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco, Six Crimson Cranes et The Blood of Star Duology avec Spin the Dawn et Unravel the Dusk de Elizabeth Lim, The Shadows Between Us de Tricia Levenseller, Defy the Night de Bridget Kemmerer, Beasts of Prey de Ayanna Gray. Et j'ai plus de place pour les autres, mais c'est pas grave, je vais quand même vous les montrer et je m'arrangerai après pour les ranger. Once Upon a Broken Heart de Stephanie Gerber, Deathless le tome 1 de Gilded Ones de Namina Fauna, Shielded le tome 1 de Kaylin Flanders, Holochrome le tome 1 Incendiary de Zoraida Cordova, After Love de Tanya Byrne et Girl Serpent Thorn de Melissa Bachalost. Eh ben écoutez, ça me semble pas trop mal. Ça y est, l'intégralité de ma pile à lire pour 2022, je vous la remontre, hop, de là-haut à en bas, voilà ce que ça donne. Ça promet de très belles lectures, de très chouettes lectures en perspective, j'ai très très hâte. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est voir un petit peu comment je m'organise pour en bas, là, mes lectures VO, ça dépasse un peu trop, ça me plaît pas. Donc je vais essayer de voir comment je peux les réorganiser et puis je vais aussi devoir remettre toutes les décos. Ça m'a pris énormément de temps de vous tourner cette vidéo, je suis à plus d'une heure et demie de film, donc au niveau montage, je vais en chier. Mais c'est pas grave, j'ai encore 4 livres à déballer puisque j'ai reçu mes romans éternels hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc je vais devoir les rajouter à cette pile et voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire à combien s'élève votre pile à lire intégrale pour l'année 2022. Est-ce que vous avez l'intention d'acheter beaucoup de livres? Est-ce que vous avez l'intention de dégommer cette pile? On y croit. Je vais faire ce que je peux. Mais je ne vous promets rien. Je ne me promets rien non plus à moi-même. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !